listen to my heart, I can listen to the world, I can listen to my problems. But what I think I need to hear, nice and loud and crystal clear, is about the one who's gonna solve them. Oh, I need something that can fill my soul. I was dead and brought to life by the power of my Savior. But if I'm being real with you, sometimes I forget it's true. I could use a reminder. Oh, I need something that can fill my soul. Devil on my throat, I got blood on my hand. The ones that I love are in danger. I'm a fallen man, but I found me a river, and it washes me clean. Down my gates. Sometimes it's hard to just listen, but I'm making my case.
need you for my survival. Every heartache, every letdown.
I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now, I'm laying it down. I know that I need you. I've run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again. Condition had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I'm brought to the Father, full into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again. Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir Jésus et à influencer leur communauté. Si vous nous visitez pour la première fois, nous désirons que vous sachiez que nous sommes un groupe de croyants engagés dans notre foi en Jésus. Nous sommes également multigénérationnels, dynamiques, et nous avons une variété de styles musicaux. Nous espérons que vous vous sentirez chez vous ce matin, car les gens de cette communauté en sont à différentes étapes dans leur parcours spirituel. Nous sommes simplement une grande famille animée du désir que chacun puisse être rencontré dans ses attentes spirituelles. Merci d'être avec nous et profitez du service. Bon matin, famille ECM, j'espère que vous allez bien. Hein, je me suis ennuyée de vous, même si je ne vous vois pas, je vous vois quand je regarde la réunion, là, on se voit les petits commentaires et tout, et ça me fait plaisir d'être avec vous dans vos maisons ce matin, et entourée de mes super amis musiciens. Et ce matin, j'espère que vous êtes de bonne humeur, hein, parce qu'on vient de, on est dans une série où est-ce que Dieu nous parle. Mais ce matin, je me suis dit, gars, pourquoi nous, on ne parlerait pas à Dieu ce matin? On a beaucoup de chants, on a chanté beaucoup de choses, de chants sur Dieu qui nous parle. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on déclare ensemble notre amour à Dieu, qu'on dise à quel point il nous remplit de joie, qu'il entende nos cœurs ce matin. Alors là où vous êtes, on se met un beau sourire, même s'il n'y a personne qui nous voit, on peut se mettre un sourire dans le visage et puis s'imaginer qu'on est en famille et puis qu'on puisse le célébrer ensemble. Vous pouvez vous lever aussi parce que je vous le dis, là, le premier chant, ça va vous dégourdir.
Gorgée d'eau. Il y a un désert dans ma bouche en ce moment. Alors, comme je disais ce matin, c'est nous qui exprimons notre cœur, nos cœurs au Seigneur. Alors, le prochain chant, c'est... Seigneur, entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer.
chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais. Pas si c'est à cause du changement d'heure, mais cette nuit, je n'ai pas vraiment dormi. Fait que dans ce temps-là, ben, je réfléchis. Hein? Des fois, je prie pour des gens, si j'ai des gens qui me viennent à cœur. Puis là, cette nuit, je me disais, Dieu Tout-Puissant, je pensais à ce thème-là, tu sais. Puis je me disais, je sais pas, ça date de combien de temps, ça? Hein? Il me semble que ça fait une éternité qu'on chante ça. Fait que j'ai décidé d'aller lire sur ce, sur cette, l'histoire de cet hymne-là. Puis souvent, quand on... Tu sais, nous, la plus jeune génération, c'est sûr que vous, à la maison, là, je vous dis Dieu Tout-Puissant. Hein? Là, là, j'imagine là, mes tantes, mes grands-mamans, mes parents là, qui sont tous excités de chanter ça parce que vous, là, ça vous ramène là, à quand vous étiez jeunes, c'était les chants que vous chantiez. Pour nous, notre génération et la génération la plus jeune, c'est comme... Ouais, tu sais, c'est... Ça vient peut-être moins nous chercher, mais en lisant l'histoire, moi des fois, de lire l'histoire d'un chant, soudainement, ça change ma perspective. Puis là, je me mets dans l'état de celui-là qui l'a composé. Puis là, soudainement, ce chant-là, je me dis, wow, OK, c'est tellement puissant. Puis l'histoire de ce chant-là, vous savez, c'est pas un chant américain, hein, du Tout-Puissant, « How great thou art », là, on pense que c'est, hein, les Américains, là, ça fait des générations qu'ils chantent, mais ça vient de la Suède, ce chant-là. Et c'est quelqu'un qui faisait partie du gouvernement suédois, qui était parlementaire et qui était aussi un éditeur croyant. Et puis, il raconte qu'une journée, il avait été avec des amis, il avait assisté à une réunion. Et puis, il sortait de cette réunion-là, puis il avait vraiment, il était vraiment rempli de joie. Puis il dit, on était dans une période où est-ce que tout allait bien. On dirait, là, autant économiquement, autant, tu sais, je veux dire, c'était vraiment une période d'accalmie qu'on pourrait dire là, dans à son époque. Et puis, cette journée-là, il sortait de l'église, puis il avait le cœur léger. Puis là, soudainement... il était avec ses amis, puis ils ont vu vraiment la tempête se lever. Puis ils ont été obligés de courir pour se réfugier parce qu'il s'est mis, autant qu'il faisait super beau, autant que la tempête est arrivée, puis il s'est mis à tonner, à éclairer. Il y avait tonnerre éclair, c'était vraiment intense, là, le vent soufflait, là, puis on était vraiment à l'abri, puis il dit on était stressés, là, on était nerveux par rapport à ça. Puis il dit, à un moment donné, autant la tempête est venue soudainement, autant elle a quitté soudainement. Et puis là, il dit, j'étais dans ma maison, puis il dit, moi, la fenêtre une fenêtre de sa maison donnait sur la mer. Et puis il dit, là, j'ai regardé, tout s'est apaisé, le soleil est revenu, là, le soleil est revenu, les nuages se sont éclaircis. Il dit, là, on entendait les oiseaux. Puis il dit, là, il y a les cloches de l'église qui se sont mis à sonner.
Puis il y a un hymne qui s'est mis à jouer dans le village. Puis il dit là, j'ai senti monter en moi là, juste comme une joie, une reconnaissance. Il dit, il y a eu un arc-en-ciel. Il dit, tu sais, là, un perfect moment, là, tu sais. Puis il dit là, c'est là que j'ai écrit un poème. Et puis ce poème-là est devenu le chant qu'on chante, l'hymne qu'on chante depuis tellement de décennies, Dieu Tout-Puissant. Et on va le chanter ce matin. Sachant tout ça, on peut essayer de s'imaginer. Hein? Quand que, je sais pas, des fois, mon mari puis moi, c'est arrivé une fois qu'on avait pendant une heure de temps, on écoutait des sons d'oiseaux. Hein? Tu te rappelles-tu? On écoutait les chants d'oiseaux sur mon cellulaire. Puis je trouvais ça drôle parce que je me disais, mais waouh, il y a comme à peu près des, tu sais, il y a des milliers de sortes d'oiseaux. Ils ont tous des chants différents. Puis Michel, qui est musicien, il disait, mais c'est fou la complexité du chant d'un oiseau. Mais tu sais, la Bible nous dit, tu sais, la nature chante, la nature crie, la nature loue le Seigneur. Puis tu dis, OK, ces oiseaux-là sont pas juste le fruit du hasard. Il y a une perfection dans leur chant. Il y a une perfection dans la création. Puis c'est vrai que quand on est dans la nature, ça nous connecte avec Dieu. On peut pas ne pas croire. En tout cas, on peut. Il y a du monde qui croit pas pareil. Mais je me dis, waouh, faut vraiment être fermé dans notre cœur et dans notre esprit pour pas comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui anime la nature. Juste le vent, le bruit des vagues, ça aurait pu être tout silencieux, cette affaire-là. Là. Mais il y a quelque chose de majestueux dans la création, puis ça fait réaliser à quel point, oui, Seigneur, t'es grand et t'es tout-puissant. Alors qu'on puisse le chanter ce matin ensemble. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon âme. Grand roi.
sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les Je vais mettre mes lunettes parce que moi, vous me connaissez. Hein? Je suis madame témoignage. Je suis madame. Mais je crois que c'est inspirant, surtout de ce temps-ci qu'on écoute plus les nouvelles que d'autres choses. Et puis, ça fait du bien, des témoignages, de voir que malgré tout ça, Dieu continue d'agir à travers ses enfants. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais dans les dernières deux semaines, ça a commencé il y a deux semaines. Je ne sais pas si c'est après une journée de travail plus difficile qu'une autre. Quand je finis ma journée de travail, on dirait que je me sens des fois, là, je me sens sale. Tu as tellement entendu d'affaires négatives, de détresse, de souffrance, d'anxiété de tout le monde. Puis, tu sais, des fois, là, c'est lourd. Puis, il y a une journée, je me rappelle, j'étais dans mon char, puis je revenais à travailler, puis le chant « Le monde a besoin du Seigneur » m'est revenu. Encore une fois, on est dans les années 80, là. Mon petit cœur de petite fille s'est dit « Wow! » OK, il s'en passe des choses dans le monde, puis c'est fou comment le monde a besoin du Seigneur. Puis je me suis mis à le chanter, ce chant-là, puis tellement je l'avais là, jour et nuit là, dans ma tête. Là, on dirait que c'est comme si c'était... Tu sais, un verre d'oreille, là, c'est comme ça n'arrêtait pas. Puis quand je le chantais, j'avais vraiment un fardeau sur mon cœur. Puis je priais, puis je disais, « OK, Seigneur, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu comme ta main agir là, à travers mon travail. Là, j'ai comme besoin d'un clin d'œil de ta part. Tu sais, comme, aide-moi à voir ta main, puis que je vois là, que vraiment... Tu sais qu'il n'y a rien pour rien dans la vie, là. Tu sais, on le sait, notre tête le sait, mais des fois, on a besoin de voir. Et on a besoin d'être inspirés nous-mêmes. Puis je me rappelle, là, tu sais, mon père qui est coach et mentor, une fois, il m'avait posé la question, c'est quoi un des objectifs que tu as dans ton travail? Tu sais, pourquoi tu fais ton travail? Puis c'est quoi un des objectifs que tu as dans ton travail? Puis je me rappelle, puis j'ai dit, j'aimerais ça changer la perception que les gens ont de la DPJ. Vous savez, c'est pas évident de travailler avec des gens qui ont peur de toi. Hein? T'arrives, ils se sentent déjà menacés, fait que souvent, ils pognent les nerfs après toi, ils se mettent à pleurer, ça se met à shaker, ils te ferment la porte au nez. Tu t'assois avec eux, tu les rassures, tout ça, puis souvent, ben ils vont prendre des services. Toi, tu vois que cette famille-là ne va vraiment pas bien, qu'il y a besoin de services, mais ils vont prendre les services souvent juste pour que tu t'en ailles de leur vie, hein, puis tu fermes le dossier, pas nécessairement parce qu'ils reconnaissent qu'il y en a besoin. Puis c'est tellement plate travailler dans la peur.
Puis moi, je me disais, si je peux changer une famille à la fois, hein, tu sais, dans une année, là, je dois faire 500-600 dossiers, là. Fait que si je peux changer une famille à la fois, changer leur perception, puis les amener à nous voir comme des alliés plutôt que des ennemis, bien, déjà là, je pense que je vais avoir atteint un super objectif. Et puis, là, en ce moment, ça déborde au travail. Et puis, il y a une journée que je me suis adonnée à aider mon équipe en prenant des signalements. Ça faisait vraiment longtemps là, que je n'avais pas fait ça. Et puis, je suis tombée sur un dossier d'un petit bébé. Un petit bébé qui venait de naître. Puis, il y avait eu un avis alerte dans la vie de ce bébé-là parce qu'on avait une maman là, qui consommait. Le petit bébé, il est né avec des symptômes de sevrage parce que la mère consomme. Donc, l'enfant vit aussi les effets de sevrage quand il naît. Et puis... ce dossier-là, il était vraiment complexe, puis gérer des petits bébés, c'est souvent stressant pour les nouveaux intervenants, puis il y avait déjà une jeune intervenante qui était dans le dossier, fait que je me suis dit, gars, moi l'aider, là, je vais y enlever ce stress-là, moi le prendre, moi, ce dossier-là, tu sais. Puis, ordinairement, là, j'étais pas supposée de prendre des lignes cette journée-là, c'était vraiment du dépannage que je faisais, mais je me suis dit, gars, je vais aider ma collègue, puis je vais le prendre, le dossier, moi, ça me fait plaisir, puis c'est toujours le fun d'aller voir des petits bébés, hein. Puis... je me suis présentée, je lisais l'histoire de cette maman-là, puis tu sais, ça disait que c'est une maman qui est super anxieuse, tout ça. Fait que là, je me disais, bon, ça y est, tu sais, c'est sûr, je vais l'appeler, elle va se mettre à pleurer, elle va être terrorisée, tout ça. Fait que juste avant d'y aller, je me suis dit, garde, je vais la rassurer, tu sais, j'ai dit, ça va bien aller. Si tu veux avoir un membre de ta famille avec toi, il n'y a pas de problème, mais juste, tu sais, ça va bien aller, inquiète-toi pas, tu sais. Fait que quand je suis arrivée là-bas, jase avec la maman, la rassure, tout ça, la laisse beaucoup parler. Et puis, je me rends compte, à quelques reprises, tu sais, c'est sûr que de la toxicomanie, là, ça s'enlève pas comme ça. Et puis, c'est un gros problème, tout dépendamment de l'intensité de ton problème. Et puis, cette maman-là, au fur et à mesure, tu sais, c'est arrivé à quelques reprises qu'elle me disait, mais tu sais, j'ai la foi, moi. Puis, je sais que je vais m'en sortir. Je pense que... tu sais, je suis croyante, puis ça va m'aider, tu sais. Puis elle dit, tu dois trouver ça bizarre un peu que je te dise ça, hein, mais... puis tu sais, c'est sûr que moi, je peux pas m'afficher comme chrétienne dans mon travail, là, puis commencer à évangéliser. Mais vous savez, des fois, on pense qu'il faut toujours donner... il faut toujours, comme, parler de Jésus, nommer Dieu, quoi que ce soit, on dirait... on a l'impression que tant qu'on ne dit pas 4-5 versets ou qu'on n'étale pas la Bible, que Dieu ne peut pas parler autrement. Et puis moi, dans mon travail, bien, je suis limitée dans ce que je peux dire. Fait que je l'ai écouté puis je me suis dit, OK, cette femme-là, elle a la foi puis tout ça. Puis je me suis dit, c'est drôle parce qu'elle m'a dit avant de partir, elle a dit, tu sais, quand j'ai su qu'il y avait une alerte pour mon bébé puis que la DPJ allait venir, elle a dit, j'étais paniquée. Elle dit, je me suis mis à genoux dans la salle d'hôpital. Elle dit, j'ai broyé ma vie, puis elle dit, j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, mon Dieu, je t'en supplie, faites qu'il n'enlève pas mon bébé. Puis elle m'a dit ça comme juste avant de partir, tu sais. Fait que quand je suis arrivée chez nous, je me disais, waouh, c'est quoi les chances que sur toutes les centaines d'intervenants qu'il y a, cette mère-là, croyante, qui a crié à Dieu, ça a tombé sur moi, qui n'était même pas supposée de prendre des lignes cette journée-là. Puis qu'en même temps, mon travail, moi, c'est de visiter les familles. Fait que c'est comme un deux dans un. Puis là, deux, trois jours après, là, j'ai fait des vérifications, j'ai mis des choses en place. On a jasé ensemble, elle et moi, puis je l'ai accrochée au service. Puis là, j'ai écrit un petit texte en lui disant, tu sais, écoute, je veux juste te dire, j'ai fait la référence pour toi, tout ça, voici mes attentes pour éviter qu'on aille à s'impliquer. Puis là, je l'ai encouragée. Hein? J'ai dit, tu sais, faut pas décourager. Tu m'as dit que tu étais croyante, que tu avais la foi, puis que tu allais persévérer. Puis c'est important de t'accrocher à ta foi. J'ai dit, accroche-toi à ta foi parce que c'est ça qui va vraiment t'aider. Puis là, j'ai parlé de l'épreuve, comment que l'épreuve, dans le fond, elle sert à faire quoi? Elle sert à travailler notre foi, à faire grandir notre foi, puis elle nous perfectionne et elle nous rend patients. Puis là, dans mon petit texte, j'ai mis un Jacques, je pense que c'est 2 à 5, verset 2 à 5, j'ai mis comme la référence entre parenthèses. Tu sais, j'ai pas dit je suis croyant tout ça, mais j'ai comme, en parole, j'ai expliqué le verset, puis j'ai mis la petite quote à côté, puis là, je l'ai comme donné des paroles inspirantes. Puis voici ce qu'elle m'a répondu, cette maman-là. La vie est bien faite. Aujourd'hui, je me suis réveillée triste, découragée,
et un peu incompétente, trop dure avec moi-même. Puis, je lis ton message et je suis comme « wow ». Pour moi, Dieu parle à travers les gens. J'ai pas nommé Jésus, j'ai pas nommé Dieu, là. On a parlé de la foi. Pour moi, Dieu parle à travers les gens. Et je vois que tu sais c'est quoi la foi. J'ai parlé à mon chum, son chum est en prison. Il m'a aidé à ne pas me décourager et je lui ai lu ton message et ton verset. Il me parle beaucoup. À part de Dieu, il me parle beaucoup. C'est moi qui te remercie de ce temps que tu as pris. J'avais beaucoup de préjugés envers la DPJ, mais maintenant je me sens protégée, soutenue, respectée et non sous une menace quelconque et je t'en remercie. Merci encore de ton temps. J'ai aimé ton approche et je me sens déjà très en confiance et j'ai des affinités avec toi. Tu es quelqu'un de bien et ça se sent. Merci Marie-France, je t'apprécie et je te redonne des nouvelles. Fait que voyez-vous, cette mère-là, c'est une réponse. Puis là, j'y ai réécrit en disant, là maintenant, tu as le choix de te dire, est-ce que c'est le fruit d'un hasard que tu as crié dans ta chambre d'hôpital, tu as crié à Dieu, puis qu'il t'envoie quelqu'un qui comprend ta foi? Tu as le choix de te dire que c'est un hasard ou tu as le choix de te dire qu'il y a un Dieu qui t'aime puis qui prend soin de toi comme sa fille. Puis ça, ça a ouvert une porte. Puis là, avec mon cellulaire personnel, j'ai pu y envoyer des vidéos de « Je suis deuxième » qui parlent justement de gens qui se sont sortis de la toxicomanie. Fait que voyez-vous, moi, c'est une réponse à mes prières. Parce que je me disais, « Seigneur, j'aimerais ça avoir un clin d'œil de ta part. » Puis elle, c'était la réponse au cri de son cœur qui était terrorisé puis que Dieu lui a envoyé une intervenante qui peut être sa mère puis qui partage sa foi puis qui a pu l'apaiser puis amener de l'espoir. Amen. Alors, ce matin, comme dernier chant, on va chanter « Le monde a besoin ». Chaque jour, je les regarde quand ils passent autour de moi. Des gens pressés et troublés, cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher, mais Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin, besoin du Seigneur. Faire voir, le monde a besoin, besoin du Seigneur. Nous devons partager et ouvrir nos cœurs. Sommes des lumières dans ce monde tout à l'envers. À tout prix, va partager. Oui, il faut se sacrifier. Son amour peut consoler tous les cœurs brisés. Oh, regarde autour de toi, va leur partager.
plus d'espoir. Il faut leur faire voir. Le monde a besoin, besoin du Seigneur. Le message qui s'en vient. Excusez. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, l'équipe de louange. Wow, quel bon temps qu'on a eu ce matin dans la louange. Et merci Marie-France pour ces témoignages que tu nous as partagés. C'est tellement encourageant, c'est tellement stimulant dans notre foi de voir comment Dieu veut nous utiliser, comment Dieu veut nous parler, comment Dieu veut parler à travers nous. Et ça, c'est toujours une très grande bénédiction lorsque on ressent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un clin d'œil du Seigneur que tu nous as partagé, puis c'est bénissant, c'est tellement bénissant. Et on est vraiment content ce matin que vous soyez là avec nous. J'espère que vous n'êtes pas une heure en retard ce matin pour la réunion, sinon vous aurez l'occasion de le réécouter cette semaine en ligne. Gloire à Dieu. Donc, on veut poursuivre ce matin notre série de messages sur Dieu nous parle. Mais je vais débuter avec une lecture. Ce matin, on va lire ensemble dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. On va lire les versets 1 à 8. Chapitre 2, versets 1 à 8 des Actes des Apôtres. Et c'est l'histoire du jour de la Pentecôte. Naturellement, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Et un peu plus loin, ça se termine en disant, « Comment les entendons-nous parler dans nos langues, des merveilles de Dieu. » Alléluia. Seigneur, ce matin, on veut te remercier encore une fois pour ce privilège que nous avons d'être réunis en ton nom, Seigneur. Même si nous sommes éparpillés physiquement, en ton nom, ce matin, nous sommes unis. Nous sommes ton Église, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, encore une fois, que tu viennes nous parler, parler à nos cœurs, que tu viennes continuer de nous encourager dans notre démarche chrétienne, aide-nous à grandir dans la foi et à toujours rester fidèles entre tes mains. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen et amen. Donc, le titre de mon message ce matin, « Dieu nous parle dans quelle langue? » Wow, ça c'est toute une question.
Hein? Parce qu'ici, on parle dans le contexte naturellement de la Pentecôte où les disciples, ceux et celles qui étaient réunis dans la chambre haute, ont vécu une expérience miraculeuse. Et ils se sont mis à parler en langue, en toutes sortes de langues d'ailleurs. Et dans la thématique qu'on a dans les dernières semaines, on se pose la question, comment Dieu nous parle? Et est-ce que Dieu nous parle en langue? Alors, c'est toute une question qui amène une grande réflexion. Donc, cette série de messages a pour but de nous enseigner sur comment Dieu nous parle. Donc, ce matin, je ne vais pas faire une rétrospective des 5 derniers messages qu'on a déjà entendus là-dessus, parce que ce serait le temps qui avancerait, mais je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, d'aller les consulter sur notre site Internet ecmountainview.org. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir consulter toutes les prédications qui ont eu lieu à ce sujet-là déjà. Mais le message de ce matin a pour but de se poser la question et répondre, est-ce que Dieu nous parle en langue? Et si oui, laquelle dans ce cas-là, si on veut élargir le sujet? Donc, j'aimerais d'abord, premièrement, informer le public en général, parce qu'on ne sait pas qui nous écoute chaque semaine, et peut-être ce message-là va être écouté dans le futur aussi. J'aimerais juste vous informer que l'Église communautaire Mountain Views est une église affiliée aux Assemblées de la Pentecôte du Canada, et qu'en tant que pentecôtistes, nous croyons que l'expérience vécue par ceux et celles qui étaient dans la chambre haute au jour de la Pentecôte n'est pas une chose du passé, n'est pas de l'histoire ancienne, mais est toujours d'actualité et nécessaire aujourd'hui en 2021. Donc, cette expérience est celle que j'ai vécue, que beaucoup d'autres croyants également ont vécu depuis cette fête de la Pentecôte dans les Écritures. Et plusieurs pourraient vous partager leur expérience de comment ils ont vécu cela, comment ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, comment ils se sont mis à parler en d'autres langues et tout ça. Vous savez que peu importe à qui vous parlez, vous allez probablement entendre diverses versions et diverses manières de comment Dieu s'y est pris pour nous baptiser dans le Saint-Esprit. Mais moi, j'aimerais vous partager juste un court témoignage ce matin pour vous raconter comment moi, je l'ai vécu, cette expérience-là. Ça faisait quand même une année déjà que j'étais chrétien, que j'avais ouvert mon cœur à Jésus, que je l'avais reçu, j'avais commencé à croire en lui, je voulais commencer à marcher selon les principes de la parole de Dieu. Et je voyais bien que dans la parole de Dieu, il y avait quelque chose qui était là à la Pentecôte, une expérience miraculeuse qui était pour tous ceux qui croient. Et moi, je le désirais aussi, je le désirais ardemment, on l'enseignait dans notre église et je le voulais, cela, je le recherchais de tout mon cœur. Et ça a pris un certain temps, je dirais que ça l'a pris peut-être une année, et c'était lors d'une rencontre, un soir de semaine, où je me rappelle bien, c'était un café-rencontre, on avait un café-rencontre au centre-ville, un local où on se réunissait pour quelques rencontres, et je me rappelle, la réunion était terminée, et moi, je m'occupais du son à cette époque-là, et j'étais un des derniers à sortir du local, et il restait le responsable qui était là, puis un homme qui était là pour prendre un café. À la fin, un chrétien de longue date qui était là. Donc, on était 3. Et puis, avant de terminer, comme ça, le responsable, il vient me voir pour me remercier, pour l'avoir accompagné avec le son et tout ça. Puis, à un moment donné, il m'a dit, est-ce quelque chose qu'on peut faire pour toi? Bien, j'ai dit, moi, j'aimerais ça, vous puissiez prier pour moi parce que j'aimerais ça être baptisé dans le Saint-Esprit. Et la réunion est terminée, on est 3 dans le café chrétien. Et puis, ils ont commencé à prier pour moi. Et puis, c'est venu tout simplement, naturellement, sans pression, sans tremblement de terre, sans vent impétueux. Il n'y a rien eu de spécial, sinon le fait que j'ai senti que l'Esprit de Dieu, il y avait quelque chose qui bouillait dans mon cœur, qui venait dans mon cœur. Puis, j'ai tout simplement laissé aller ce qui venait dans mon cœur. Et ça l'a sorti naturellement comme ça. Et je me suis mis à parler en d'autres langues. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Ça m'a vraiment changé. Ça m'a beaucoup aidé à grandir et à maturer dans le Seigneur et à comprendre des aspects de la parole de Dieu que je ne comprenais pas auparavant. Donc, c'était une belle expérience pour moi. Et ça n'a pas été très long que, suite à cette expérience-là de baptême dans le Saint-Esprit que j'ai vécu,
j'ai commencé à voir des choses extraordinaires arriver. Et je vous raconte rapidement que là, j'avais fait le premier voyage missionnaire qui était en Chine à cette époque-là. C'était en 1991 avec le pasteur René Lucier. Et on allait en Chine, on allait livrer des Bibles aux Chinois. C'était quelque chose qui était quand même assez risqué. C'était fait de manière clandestine à cette époque-là. Et on traversait les douanes avec des Bibles sur nous. C'était quand même spécial. Et puis, on en avait dans nos valises et tout ça. Et puis, on arrive aux douanes à un moment donné. Puis moi, dans le transport, souvent, ce que je faisais, parce qu'on avait beaucoup de transport à faire, du train ou du bateau, on passait les douanes par divers points d'entrée. Et j'étais avec une sœur dans le Seigneur, une jeune femme avec laquelle je le côtoyais à la jeunesse. Et on priait ensemble alors qu'on était en route. Puis on priait toutes les deux en langue dans le bateau. On était sur un genre de petit bateau, on traversait. Et puis toutes les deux, on priait en langue. Puis là, on se disait, on va voir, elle est fou, là, à prier en langue comme ça dans le bateau. Mais on était juste avec des Chinois. Donc, quand on parle en langue, veux dire, pour eux autres, ça ne changeait rien parce qu'ils ne comprenaient rien de toute façon qu'est-ce qu'on disait. Donc, on ne se gênait pas, puis on parlait en langue à voix haute et tout ça, puis avec intensité, avec ferveur, comme si on se parlait entre nous, mais on parlait en langue et c'était drôle. Et ce qui est arrivé devait arriver. On est arrivé aux douanes, et puis lorsqu'on est arrivé aux douanes, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais il y avait comme deux allées. Il y avait une allée, c'était pour les Chinois. Naturellement, c'était le côté vert. Donc, ceux qui étaient de nationalité chinoise pouvaient... C'était comme un bypass, c'était comme un chemin pour aller traverser la douane. Et pour des étrangers, mais c'était le corridor rouge. Donc, il y en avait un qui était à droite, il y en a un autre qui était à gauche. Et en plein milieu, il y avait une autre allée. C'était rempli de soldats, de gardiens, de sécurité qui étaient armés. Et moi, quand je suis arrivé là devant ce dilemme, le rouge et le vert, là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai passé à travers. Moi, j'ai pris le corridor du milieu à travers les soldats et je suis arrivé de là. Je voyais la porte à l'autre bout du corridor et moi, je me disais, tout ce que je veux, c'est me rendre à la porte. Je veux sortir d'ici. Et je me suis faufilé à travers les soldats. Ils me regardaient passer comme si j'avais l'air bizarre. Et ils ne m'ont pas intercepté. Je suis arrivé de l'autre côté. Et personne ne m'a arrêté. Je n'ai même pas passé aux douanes, finalement. C'était spécial. C'était tellement spécial que ça a été plus difficile de sortir de la Chine que d'y entrer. Parce que quand je suis arrivé pour revenir, je n'avais pas de papier pour prouver que j'étais rentré. Donc, c'était assez... il a fallu expliquer quelque chose aux douaniers au retour, mais... Tout ça pour vous dire que quand on parle en langue, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, il y a des miracles qui arrivent dans notre vie, et puis c'est vraiment bénissant de vivre une expérience comme celle-là. Ceci étant dit, si je veux poursuivre avec mon message, lorsqu'on s'est rencontré le conseil pastoral, et puis qu'on a décidé d'aller de l'avant avec cette série de messages sur « Dieu nous parle », on a élaboré plusieurs thématiques, naturellement, et j'ai accepté de prendre le sujet-là, qui est de « Est-ce que Dieu nous parle? » et des langues en particulier. Et lorsque je suis arrivé chez moi, là, je n'ai pas réalisé tout de suite, mais je suis arrivé chez moi, puis là, tout d'un coup, j'ai été saisi par un gros point d'interrogation. Même si ça fait 18 ans que je prêche la parole de Dieu et que j'ai abordé le sujet des langues à plusieurs reprises dans le ministère et dans différentes églises, ça ne m'était jamais arrivé de me poser la question, est-ce que Dieu nous parle en langue? Et puis, je me suis dit, wow, c'est un bel exercice pour aller scruter les Écritures et aller voir qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là, finalement. Est-ce que Dieu nous parle en langue? Et vous savez, en tant que... Québécois, Canadiens ou Nord-Américains, on a une certaine culture, on a des croyances et quelquefois on adhère à certaines croyances parce que notre culture un peu nous a influencés par rapport à ça. Et le fait que j'ai été missionnaire pendant 3 ans en Haïti, un jour, à un moment donné, alors que j'étais là-bas, j'avais beaucoup de divergences d'opinion avec des chrétiens qui pourtant lisaient la même Bible que moi, mais à cause qu'eux l'interprétaient avec leur contexte culturel et leur expérience de vie, comparativement à la mienne, qui était plus nord-américaine, je me suis dit, on n'arrivera pas à s'entendre si j'essaie d'inculquer des valeurs ou des principes chrétiens qui viennent de ma culture alors que la leur est différente de la mienne. Alors, j'avais intitulé une série de messages une fois en Haïti. Je dis, OK, qu'est-ce que la Bible dit?
Donc, c'est ce que je vais faire ce matin avec vous, avec chacun d'entre vous. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Donc, j'ai fait mes devoirs cette semaine. J'ai lu tous les versets du Nouveau Testament qui parlent des langues. Et il y en a beaucoup. J'en avais 6 pages au complet. Je voulais les épargner pour vous ce matin. Je vais essayer de vous faire un bref résumé avec les quelques minutes que j'ai pour vous expliquer les grandes lignes de qu'est-ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament concernant Dieu qui nous parle dans les langues. Donc, il y a deux textes, deux livres même et deux auteurs complètement différents qui ont abordé ce sujet-là. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse juste avant de rentrer dans ces deux textes-là. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Et la parenthèse est celle-ci. C'est celle qui se trouve dans Marc chapitre 16 et les versets 17 à 18. Donc, c'est Jésus lui-même qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Jésus prépare ses disciples en leur disant « Voici qu'est-ce qui s'en vient. Voici le plan de match, il va se passer quelque chose. » Okay? Donc, il va se passer quoi? Un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et dans la liste des miracles que nous voyons là, il y en a un qui dit, « Ils parleront de nouvelles langues. » Donc, parler de nouvelles langues, c'est un miracle. C'est un miracle. Un miracle, c'est quoi? C'est un signe, c'est un prodige, c'est une preuve, c'est une signature. Ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue. Par définition, on peut dire aussi un signe, un prodige, un présage, c'est-à-dire une chose non usuelle, modifiant le cours habituel de la nature. Des signes présageant d'événements remarquables qui doivent bientôt arriver. Des miracles et merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il envoie ou par lesquels les hommes prouvent que la cause qu'ils plaident est celle de Dieu. Ça, c'est tout dans la définition de qu'est-ce qu'un miracle. C'est comme c'est le sceau de Dieu. C'est le signe de Dieu sur ta vie. Le miracle, quand le miracle se produit dans ta vie, c'est comme si c'est un sceau, c'est une signature. C'est comme Dieu met sa griffe en bas du contrat. Tu as reçu quelque chose de miraculeux. Donc, la Bible dit que de parler en langue est un miracle qui accompagne ceux qui croient. Jésus annonce que ces miracles vont bientôt arriver. Hein? C'est pour ça qu'il dit, à un moment donné, de les chercher puis de les attendre. À un moment donné, il dit à ses disciples, lorsque Jésus il est mort, il est ressuscité le troisième jour, il était apparu à quelques-uns de ses disciples et aux femmes et tout ça qui étaient là. Ils ont dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu la puissance d'en haut. Il a dit, moi, je m'en vais au Père, et quand je vais arriver au Père, je vais vous envoyer un autre consolateur, je vais vous envoyer mon esprit. Donc, il va se passer quelque chose. Donc, ce n'est pas le temps de s'en aller, c'est le temps de vous en aller dans votre chambre de prière, d'aller vous en à la chambre et autres, puis là, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont persévéré dans la prière et dans les chants, dans la louange, dans la communion fraternelle. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est comme on a lu ce matin dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit descendu, se sont mis à parler en d'autres langues. Donc ceux qui ont resté, ceux qui ont persévéré, ont reçu la promesse. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui ne persévèrent pas, qui ne restent pas. Et à un moment donné, on entend le témoignage des disciples d'Emmaüs là-dedans. À un moment donné, les disciples d'Emmaüs, ils retournaient après la mort de Jésus. Les disciples d'Emmaüs retournaient à la maison, tout piteux, tout triste, parce que « Ah, celui qui nous enseignait l'Écriture est parti, puis là, c'est fini, il n'y a plus rien qui va se passer. » Ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas resté à Jérusalem, ils n'ont pas monté dans la chambre haute, ils ont abandonné. Et c'est exactement encore comme ça aujourd'hui. Nous retrouvons cette même pensée-là, ce même dilemme-là. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette promesse du Saint-Esprit que Dieu veut nous donner, ces miracles que Dieu veut faire dans nos vies? Est-ce qu'on va persévérer pour le recevoir ou allons-nous retourner à la maison? Donc, on retrouve dans cette thématique ce matin deux textes, un tiré des Actes des Apôtres et l'autre tiré de 1 Corinthiens, naturellement.
Et j'aimerais qu'on puisse s'attarder, premièrement, sur Pierre et le livre des Actes des apôtres. Il y a quelques versets là-dedans qui sont très intéressants, parce que c'est dans le livre des Actes que nous est rapportée l'expérience où les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute ont été baptisés du Saint-Esprit, se sont mis à parler à d'autres langues. Il faut comprendre aussi que le livre des Actes nous rapporte l'histoire du commencement du christianisme. Ça commençait, là, le christianisme. Il n'y avait pas de fondement, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. Les gens, Jésus, il venait juste de quitter, et puis les gens commençaient à annoncer la bonne nouvelle, les gens se convertissaient, les gens se faisaient baptiser dans l'eau, les gens devenaient chrétiens dans ce sens où ils adhéraient à la doctrine de Jésus-Christ, ils commençaient à suivre les principes que Jésus-Christ leur avait enseignés. Donc, c'était les premiers pas de la marche chrétienne, les Actes des apôtres. Donc, les pages sont blanches, tout est nouveau, c'est du jamais vu. Il y a de l'excitation dans l'air, naturellement, parce qu'il se passe des choses. Tout le monde se rassemble, la curiosité est à son comble. Les gens se réunissent à Jérusalem, ils entendent des choses, il y a des rumeurs qui courent, il y a des miracles qui se passent qu'on n'avait jamais vus auparavant. Voyez-vous, c'est le début du christianisme. Ils étaient stupéfaits d'entendre que les disciples parlaient des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Donc, c'est quand même miraculeux, des milliers de personnes qui ont été témoins de cela, qui ont cru, qui sont devenus des chrétiens. Le parler en d'autres langues était le miracle initial à ce moment-là que Pierre et les autres avaient vécu, mais aussi qu'ils cherchaient à répandre et annoncer autour d'eux. Donc, on est au début, là. Comprenez bien, on est dans le livre des Actes, au début du christianisme. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi dans Actes 10, verset 44? On va le voir un peu plus loin. Et c'est un autre témoignage où Pierre, parce que là, Pierre, c'est lui qui a prêché à la Pentecôte, parce qu'il est sorti sur le balcon, des milliers de personnes se sont converties. Et on voit plus loin, dans les Actes toujours, 10, 44, Pierre, qui, dans ce contexte-là, il a faim. Il a faim, il est affamé, il est en jeûne probablement, c'est un boutin qui n'a pas mangé. Et puis là, il attend son repas, quelqu'un est en train de lui préparer un repas. Puis là, tout d'un coup, il est comme sur le toit d'une maison. Puis là, il voit une nappe descendre du ciel avec des animaux impurs là-dedans. Parce que selon la tradition juive, il y avait certains animaux qu'il ne pouvait pas manger. Donc, Pierre voit cette nappe-là descendre avec plein d'animaux impurs, puis il entend la voix de Dieu qui lui dit « Mange, Pierre, mange, Pierre! » Puis là, Pierre, il dit « Non, dis-moi, je veux pas toucher à ça, c'est des viandes impures pour moi, je peux pas manger ça. » Puis Dieu répétait toujours « Mange, Pierre, mange, Pierre! » Puis il comprenait pas trop pourquoi Dieu lui demandait de manger des animaux impurs. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, puis c'est quelqu'un qui demande à parler à Pierre, puis il dit « On aimerait ça te recevoir à la maison, mais c'est des gens qui étaient non-juifs. Et à cause que c'était des gens qui étaient non-juifs, mais selon, encore une fois, les traditions juives, ce n'était pas permis aux juifs d'aller chez des non-juifs, parce que ça les rendait impurs, encore une fois. Mais à cause que Pierre avait reçu cette vision-là, il a compris que Dieu lui parlait d'aller dans cette maison qui était la maison de Corneille. Et là, on voit dans ce texte-là, dans Actes 10, 44, que Pierre, avec certains des frères dans le Seigneur, ils vont chez Corneille, puis ils commencent premièrement à leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, que Dieu veut transformer des vies et tout ça. Puis alors que Pierre est en train d'enseigner la bonne nouvelle de l'Évangile, la Bible déclare, car ils entendaient parler, elle dit qu'à un moment donné, ceux qui étaient réunis là se sont mis à parler en d'autres langues. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. C'était ça que la Bible nous dit. Donc, Pierre est en train d'annoncer la bonne nouvelle et le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, tous les fidèles circoncis, OK, ça c'est les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, les non-Juifs. Car ils entendaient parler en langue en glorifiant Dieu. Donc, c'est quand même miraculeux. Hein? On s'entend, c'était pas dans la liste de Pierre cette journée-là d'aller chez des païens pour aller annoncer la bonne nouvelle puis de les voir baptisés dans le Saint-Esprit. Non seulement ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais après ça, ils ont dit, tant qu'à y être, puisqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, comment on peut leur refuser maintenant les eaux du baptême? Donc, ils les ont également baptisés dans l'eau.
témoignage extraordinaire. On est au début du christianisme. C'était comme moi quand, je me rappelle, dans les années 80, justement, on parle des années 80, là, pas mal un matin, on est dedans. Hey, dans les années 80, là, ici, au Québec, il s'est passé quelque chose. Les églises étaient en croissance, il y avait des réveils partout. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à l'église la première fois, il y avait toujours des nouveaux qui étaient là, et puis on prêchait le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Quand le pasteur finissait le message le dimanche soir, parce que à cette époque-là, il y avait des réunions aussi le dimanche soir. Après la réunion du dimanche soir, les gens descendaient au sous-sol de l'église, puis là, on allait prier. Et puis là, on priait les uns pour les autres. Là, on voyait toutes sortes des gens qui étaient guéris, des gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Puis, wow, c'était le feu. On était bouillants pour le Seigneur. Puis, c'est ça un peu qu'on voit dans les Actes des apôtres. C'est comme si c'était un début. C'était pas un début pour les gens qui étaient là, mais pour moi, c'était le début de ma vie chrétienne. Puis, c'était comme ça. Donc, c'est excitant de savoir que Dieu veut nous baptiser du Saint-Esprit et qu'un des miracles que Dieu veut faire à travers cela, c'est de nous donner le don des langues. Maintenant, dans les Actes des apôtres, il y a aussi un texte que l'apôtre Paul, cette fois-ci, écrit de sa main dans Actes 19. C'est un témoignage que lorsque Paul est allé à Éphèse, et Paul, après sa conversion, naturellement, sur le chemin de Damas, commence un ministère lui aussi d'annoncer la bonne nouvelle parmi les non-juifs. Et il fonde des églises, il fait des voyages missionnaires, et là, à un moment donné, il arrive à Éphèse, puis là, il rentre dans cet endroit-là où les gens sont réunis, il dit, « Là, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et là, il répondit, « Mais nous n'avons jamais entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. » Donc, c'était nouveau, hein? Ça ne s'était pas encore rendu à Éphèse. Alors, à ce moment-là, Paul dit, « Jean-Baptiste a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, et sur ses paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Donc ici, on voit un autre aspect. Donc le livre des Actes nous rapporte comment tout ça a commencé, le parler en d'autres langues. Donc les informations qu'on peut soutirer de ce livre-là, du livre des Actes, sont les suivantes. Que quand on est baptisé du Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues. Donc elles sont reconnues, à l'occasion on le voit, elles sont reconnues par les auditeurs au jour de la Pentecôte. Ils entendaient parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Donc, ils entendaient les merveilles de Dieu, ils entendaient les gens glorifier Dieu, parler à Dieu. Il y avait quelque chose d'adoration, ils étaient en extase devant le Seigneur. Et lorsque Pierre est chez Corneille, donc ça nous donne l'information également que lorsqu'on a été baptisé du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues et à glorifier Dieu. C'est dans l'expérience de l'apôtre Paul que nous trouvons pour la première fois que quand le Saint-Esprit est descendu sur les croyants d'Éphèse, qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Ah, là, c'est une nouvelle donnée qui se rajoute. Hein? Ils ont commencé à prophétiser. Mais avant cela, tous les textes bibliques faisaient rapport que celui qui parle en langue parle à Dieu. Hein? Alors, jamais qu'on voit dans les Actes des apôtres, au début du christianisme, que les gens qui parlaient, les chrétiens, les croyants qui étaient baptisés du Saint-Esprit, on ne voit pas ça que le Saint-Esprit parle en langue. Quand les gens parlent en langue, ils parlent à Dieu. Donc, ils ne parlent pas aux gens nécessairement. Donc, c'est une expérience personnelle. Une expérience extraordinaire et personnelle. Une expérience personnelle de chrétiens qui sont dans la louange, l'adoration, l'intercession, la supplication. Et ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, vous le savez comme moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on est à la maison, on est tout seul, on est découragé, on peut commencer à prier, à intercéder, à louer le Seigneur en diverses langues et ça vient nous encourager, nous stimuler. Mais une expérience commune pour l'Église aussi que nous retrouvons dans les écrits de Paul parce que c'est lui qui a implanté les premières églises. Donc ici, n'oublions pas que l'expérience de Paul dans le livre des Actes s'adressait à l'Église d'Éphèse. Donc, quand Paul parle des langues et tout ça, il parle dans un contexte d'Église. Il ne parle pas dans un contexte personnel. Il parle dans un contexte d'Église. Donc, on va regarder ensemble la deuxième section de ce message où on va voir plus l'apôtre Paul et l'épître aux Corinthiens qu'il a écrit.
Donc, Paul et l'Épître aux Corinthiens, et il y a plusieurs mentions justement dans ce texte-là, dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset, et même le chapitre 13 et 14 en parle aussi. Et je vais essayer de vous en faire un bref résumé. Et Paul, à ce moment-là, là, il parle dans un contexte d'Église. Disons, à chacun la manifestation, il parle des dons spirituels. De l'Esprit est donné pour l'utilité commune. OK? Là, ce n'est plus une expérience personnelle, de parler en d'autres langues. Ça devient une expérience commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. S'il y a un autre de la foi par le même Esprit, un autre est don de guérison, etc., le don d'opérer des miracles, de prophéties, un autre le discernement des esprits, la diversité des langues, un autre et l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribue à chacun en particulier comme il le veut. Donc, Paul ici, il est en train de structurer l'Église. Parce que là, il y a des chrétiens partout, hein? Il y a eu un réveil, il y a des milliers de personnes qui se sont venues à la connaissance de Jésus, qui ont commencé à vouloir en savoir plus sur Jésus, puis à vivre comme Jésus, puis ces gens-là ont commencé à se réunir dans des églises. Avant ça, ils allaient probablement au temple, parce que c'était des gens juifs, mais là, ça ne fitait plus dans le portrait, là. Des juifs avec des chrétiens, dans la même bâtisse, c'est comme... Il y avait des gens qui ne vivaient pas les mêmes affaires que les autres. Fait que les chrétiens ont commencé à se réunir à l'église. On appelait ça des églises. Donc, là, les gens arrivent dans l'église. Imaginez-vous, là, ils viennent d'être baptisés dans le Saint-Esprit, comme moi, quand j'étais un nouveau chrétien, là, tout en feu. Là. Et puis là, c'est plein de monde comme ça qui se réunissent dans l'église. Puis là, tout le monde se met à parler en d'autres langues. Puis là, il n'y a plus personne qui s'entend parler. Il n'y a plus personne qui comprend rien. Puis... c'est le désordre, finalement. C'est bien beau tout ça, là, mais ça ne marche pas. Là. On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, Paul, il dit, voici comment ça va fonctionner maintenant dans l'Église, avec les dons spirituels, avec les miracles que Dieu nous donne. Donc, il met la table un petit peu sur comment ça va fonctionner. Donc, ici, on voit que c'est important de comprendre que dans l'exercice du parler en d'autres langues, c'est d'être capable de faire la distinction entre les deux. Okay? Entre la distinction entre qu'est-ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres puis qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'Église. Donc, 1 Corinthiens 12 nous dit également ceci, « Vous êtes le corps de Christ pour ses membres, chacun pour sa part. » Et Dieu établit dans l'Église premièrement bon, les ministères, là, les apôtres, les prophètes, les docteurs, et toutes ces choses-là, ceux qui ont le don des miracles, le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler de diverses langues. Tous sont-ils apôtres, prophètes, docteurs? Non, oui, miracles. Tous sont-ils dans la guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Donc, il dit, aspirez aux dons les meilleurs et je vous en enseignerai encore un par excellence. Parce que l'exercice des dons spirituels doit être exercé dans un contexte d'édification commune. Donc, le but que Paul a lorsqu'il écrit aux églises, c'est voici comment ça va fonctionner dans la communauté, OK? Et c'est pour ça même qu'on voit 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre qui nous parle de l'amour, hein? « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien », tout ça. Donc, beaucoup de gens dans notre société connaissent ce qu'est la définition de l'amour d'1 Corinthiens 13, mais ce qui est important de mentionner, c'est que ça se situe ça, entre le chapitre 12 et le verset 14, qui parle toutes les deux des dons spirituels et des ministères dans l'Église. Donc, tout doit se faire dans l'amour. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc, la source première dans la communauté, dans l'Église, lors de l'exercice des dons spirituels, c'est toujours dans l'amour que ça doit être exercé. Et un jour même, Paul il continue au verset 7, « La charité, l'amour ne périra jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour va toujours demeurer. » Donc l'amour, c'est ce qui est de plus grand. Par-dessus tous les dons spirituels, par-dessus tous les ministères qu'on peut retrouver dans l'Église, l'amour demeurera toujours le plus grand parce que peu importe dans quelle situation qu'on va être, un jour toutes ces choses-là vont cesser, mais on va demeurer toujours dans l'amour. L'amour, c'est toujours ce qui va nous diriger. Donc, c'est intéressant de comprendre que l'amour, c'est ce qui lie le chapitre 12 puis le chapitre 14 de Corinthiens. Donc, on rentre maintenant dans le chapitre 14, c'est-à-dire rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue
ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Oh! On a-tu trouvé une réponse? On a-tu trouvé une réponse, là? Hein? C'est ça qu'on a lu. Moi, c'est bien ça que j'ai compris, en tout cas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. OK? L'exercice des dons spirituels, c'est dans l'amour. Mais la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, répétez après moi ce matin, OK, dans la maison, si vous voulez bien, hein, parce que ça, c'est le cœur du sujet. Donc, est-ce que Dieu parle en langue? Bon, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, hein, il parle à Dieu. Donc, ça règle le sujet. Mais si je comprends, autrement dit, c'est si je ne comprends pas ce qui est dit, parce que quelqu'un parle en langue dans l'assemblée, et si je ne comprends pas ce qu'il dit, alors ça veut dire qu'il ne me parle pas. C'est ça que ça dit. Il ne me parle pas. Donc, Dieu ne me parle pas dans une langue que je ne comprends pas. Dieu ne peut pas me parler dans une langue que je ne comprends pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue, nous dit le verset 4, s'édifie lui-même. Encore une fois, c'est une expérience personnelle. Mais celui qui prophétise édifie l'Église, donc la communauté. Verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » OK, là, on a une clé. OK, on a une clé. Donc, oui, on peut dire que Dieu ne nous parle pas en langue, là, parce qu'on ne comprendrait rien. Mais s'il y a une interprétation, par contre, et là, je comprends, alors là, je peux dire, oui, le Seigneur me parle. Oui, le Seigneur nous parle. OK, parce qu'il y a interprétation. Et maintenant, frère, quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Donc ici, il y a une belle illustration que Paul utilise dans 1 Corinthiens 14. Il dit, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Ici, la trompette rend un son confus. Qui se préparera au combat? OK, il est en train de... Je vous explique quelque chose. Vous faites un dessin, OK? C'est ça que Paul est en train de faire. Il fait un dessin, là. Il dit, de même, OK? De même, ça veut dire que ça introduit une comparaison. Là, il fait une comparaison pour vous expliquer la différence de parler en d'autres langues et la prophétie. OK? De même, OK? Comparaison. Vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. OK? Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ça, ici, le mot langue, là, à ce moment-là, ce n'est pas le mot glossa, là, comme on parle. Le parler en d'autres langues, c'est le mot grec, c'est le mot glossa. Mais ici, quand il fait sa comparaison, il dit celui qui parle en langue, là, glossa, prie pour avoir le don d'interpréter. Mais quand il dit si je ne connais pas le sens de la langue, ici, c'est le mot grec, c'est le mot phoné. OK? C'est comme le son. OK? C'est comme un son. Si je n'entends pas le son, comment je peux savoir qu'est-ce que tu joues? Okay? C'est comme notre frère Alistair ce matin qui nous bénit à l'occasion à l'église ici et qui joue du piano. Moi, je suis en avant puis je suis sûr que tout le monde qui sont ici, même à la maison, là, vous êtes wow, vous avez le goût de vous envoler dans les airs puis entrer dans la louange lorsqu'il commence à jouer de son instrument parce que wow, on l'entend jouer puis ça nous bénit, ça nous inspire, ça nous transporte dans la présence de Dieu puis ça nous fait du bien. Mais imaginez que, alors que notre frère joue du piano, parce que j'imagine que quand il est chez lui, je ne sais pas s'il est en appartement ou en maison, mais imaginez, lorsqu'il est à la maison, il ne veut pas déranger ses voisins, puis là, il met ses écouteurs sur ses oreilles, OK, pour ne pas déranger les gens dans sa maison ou les voisins. Alors lui, il continue à jouer, puis c'est la même chose que d'habitude, il est béni, il est content, mais pour nous, là, si notre frère Alistair prendrait le piano ce matin, puis il mettrait ses écouteurs, puis nous, on n'entendrait plus rien.
Ça donnerait quoi de le faire déplacer jusqu'ici à Auburn Park ce matin pour nous bénir? Il est tout seul dans son coin, puis il est dans son nuage, puis il est tout seul dans sa bulle, puis lui, il est béni, il est content, il chante, il loue dans sa tête, dans son cœur, mais moi, là, ça ne me fait plus rien tout d'un coup, parce que je ne l'entends plus. Donc, c'est la même chose, c'est la comparaison que Paul fait maintenant avec le parler en d'autres langues et l'interprétation. C'est comme si tu parles en langue, puis il n'y a pas d'interprétation, c'est comme si tu fais du son, mais qu'on n'entend rien. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Donc, si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, ou pour celui qui parle, ce sera barbare pour moi. Donc, de même, ici, il fait encore une autre comparaison, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Il dit « c'est pourquoi ». Quand il dit « c'est pourquoi », là, c'est une instruction, OK? « Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » OK? « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc ici, c'est important que si on a une parole en langue dans l'assemblée, et encore une fois, on parle de communauté, on parle d'église, on ne parle pas d'expérience à la maison, toute seule, dans ton salon, là, ou dans ta douche. C'est pas ça, ça ne me regarde pas ce qui se passe chez toi. Ce que tu dis avec le Seigneur en langue chez vous, je suis béni pour toi, OK? Mais dans l'église, dans la communauté, à ce moment-là, ça prend le don d'interprétation pour que nous puissions être édifiés. C'est ce que Paul donne comme instruction. Il faut avoir le don d'interpréter. Donc, que faire donc? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Donc, par conséquent, les langues, okay, sont un signe. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et je vais devancer un petit peu mon message ce matin. Mais une autre instruction que Paul nous donne également au verset 26 de 1 Corinthiens 14, c'est « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Encore une fois, pour que nous soyons encouragés. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise en l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Parce que c'est à ce moment-là, s'il n'y a pas d'interprète, ça veut dire que je suis toute seule avec Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et j'aime beaucoup ici le verset 39 à la fin qui dit, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Oh, ça c'est intéressant ça, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Vous savez, c'est facile de tomber dans un extrême ou dans l'autre là-dedans. Et ça, c'est le piège qui guette tout le monde, hein, toutes les églises. Parce que vous savez, il y a eu des expériences, des histoires dans les églises, il y a eu beaucoup de désordre. Et à un moment donné, on a dit, ça n'a plus d'allure, il faut que ça cesse, tout ça. Là. Hein? On a de l'air de quoi, là, finalement. Là. Donc, on a dit aux gens, là, c'est terminé. On n'en veut plus là, de ça, c'est fini, garde ça pour toi. Est-ce qu'on fait bien de faire ça? Mais là, à ce moment-là, on tombe dans un extrême, on empêche les gens de parler en d'autres langues. La Bible ne dit pas d'empêcher les gens de parler en d'autres langues. Et il dit aussi de se taire si on n'a pas d'interprétation. Là, comment aller? On peut-tu juste trouver un juste milieu? On n'empêchera pas les gens de parler en d'autres langues, naturellement, parce que la Bible nous le dit. Mais c'est mieux de le prophétiser, c'est mieux de l'interpréter. Donc, on ne veut pas tomber dans l'extrême où on veut tout laisser aller, et aller dans l'autre extrême où on veut tout empêcher. Donc, c'est important d'être sage là-dedans et de faire preuve de discernement. Mais l'important dans tout ça, c'est encore une fois, c'est de pratiquer les dons spirituels avec amour et dans le but de que l'Église soit édifiée et encouragée. Donc, la langue, c'est un moyen de communication.
En réalité, on se parle ce matin. Donc, ma langue sert à communiquer. Alors, Dieu nous parle dans quelle langue? Il me parle dans ma langue. Il me parle dans ma langue pour que je puisse le comprendre. Si quelqu'un a une parole en d'autres langues, à ce moment-là, il doit être interprété pour que je puisse en recevoir quelque chose. Parce que c'est ça qui est le but lorsqu'on se réunit ensemble en communauté, c'est afin d'entendre la voix du Seigneur. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu ce matin. Je vous lance un défi de faire l'exercice de lire les différents versets et textes de la parole de Dieu qui vont pouvoir vous éclairer. Et je sais que c'est un grand défi, mais demandez à l'Esprit de Dieu de vous éclairer et vous ne serez pas déçus de cela. Donc, je vais inviter les musiciens à s'approcher et on va faire un dernier chant ensemble. Et j'ai beaucoup aimé le chant que tu as fait au début, Marie-France, le chant de joie, là. C'était quoi le titre déjà? Peux-tu m'éclaircir? Christ est ma joie, c'est ça. Je n'aurai pas peur, je n'aurai pas honte. Puis quand Marie-France chantait ça ce matin, je voyais les 120 qui étaient sortis de la chambre haute, puis ils disaient « Christ est ma joie, je n'aurai pas honte, je n'aurai pas peur ». Parce qu'avant ça, c'était ça qu'ils vivaient, les disciples. Hein? Ils avaient peur, puis ils avaient honte, ils avaient peur de s'afficher, ils avaient peur d'être persécutés. Mais après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'ils sont allés avec audace, sont allés prêcher la bonne nouvelle avec audace et foi, et c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous voulons voir également pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on se lève, on se dégourdit. Ça fait un bout de temps qu'on est assis. Yes.
Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet « Enseignement ». Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel à info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens chapitre 3 qui nous encourage que peu importe ce que nous faisons, de le faire de bon cœur comme pour le Seigneur. Sur ce, passez une belle semaine et en espérant vous revoir la semaine prochaine. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now, I'm laying it down. I know that I need you. I've run to the Father, full into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. I don't have a context for that kind of love. I don't understand.